coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Ouvre le capot du coffret en plastique situé sur le dessus de la batterie. Ne commence jamais par débrancher la borne plus, toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque l'écrou de maintien des câbles de la cosse moins. Une fois retiré, écarte la cosse afin d'éviter une reconnexion intempestive de la batterie qui pourrait endommager le circuit électrique du véhicule. Puis, toujours à l'aide du cliquet et de la douille de 13, débloque l'écrou de maintien des câbles de la cosse plus. Soulève le cache plastique en bas à gauche pour accéder à la cosse. Soulève le loquet de maintien de cosse, puis extrais-la. Referme le couvercle, puis avec tes pouces, déclipse l'ensemble du coffret et positionne-le de manière à ce qu'il ne t'encombre pas dans la manipulation suivante. Pour retirer le couvercle de bac à batterie, tire-le vers le haut pour le déclipser, puis vers toi pour l'extraire. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, débloque la cosse de masse et retire-la. Écarte les languettes en plastique du flasque d'habillage du calculateur afin de le retirer. Puis saisis ce dernier à pleine main, tire-le vers le haut en le faisant coulisser dans son logement et bascule-le sur le côté de manière à ne pas forcer sur les câbles, mais également ne pas te gêner pendant la dépose de la batterie. Avec un cliquet, une grande rallonge et une douille de 10, dépose le boulon et retire la plaque de maintien de la batterie. Tu peux maintenant retirer la batterie. Ponce avec du papier de verre l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Munis-toi de la nouvelle batterie, retire les caches de protection enduis les cosses de graisse cuivrée pour améliorer le contact entre les bornes et les cosses, mais aussi limiter l'apparition d'oxydation. Mets en place la nouvelle batterie en la plaquant bien contre son support. La remise en place de la plaque de maintien de la batterie s'avère délicate sans l'astuce, alors ouvre les yeux. Prends un morceau d'essuie-tout que tu plies en quatre, pose-le à plat sur la douille, puis insère en insistant la tête du boulon dans la douille. Magie, ça tient tout seul! En utilisant uniquement la rallonge, cela te permet maintenant d'aller revisser la plaque de maintien. Rentre-la délicatement en poussant légèrement la batterie afin de la remettre en position. Comme d'habitude, commence à la main et au moment de finaliser le serrage, insère le cliquet dans la rallonge. Bloque. Puis retire l'essuie-tout. Remets en place le calculateur en le faisant coulisser dans ses rails. Il doit normalement être fixe et plaqué contre le bac à batterie. Termine en clipsant le flasque d'habillage. Repose la cosse de masse et tout en la maintenant bien enfoncée sur la borne, visse-la avec le cliquet. Remets le couvercle de cache batterie en l'inclinant vers l'avant pour le faire rentrer, puis en le basculant vers le bas pour le verrouiller.
repose le coffret plastique en le faisant coulisser vers toi dans son emplacement. Soulève le cache plastique, puis bascule le capot de verrouillage de la borne plus vers le bas. Ouvre le couvercle, puis remets en position le premier câble qui est resté en place sur le véhicule. Pense à le positionner correctement dans le guide situé sur le bac à batterie. Remets en place le deuxième câble. Tu dois donc également le faire passer dans le guide avant de le fixer à la platine. Termine en serrant à l'aide du cliquet. Puis referme le couvercle. Opération terminée !